Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés de l'update 2.11 de MPC Software directement sur l'application desktop, donc sur Mac ou sur PC. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, vous trouverez tous ces liens directement dans la description de la vidéo avec mon lien PayPal. Donc on se retrouve sur le site de Hackeye pour voir les nouveautés de cette version 2.11. Et faut savoir que moi, j'utilise le soft MPC Software sans avoir de MPC Hardware. C'est-à-dire que depuis la version 2, Hackeye permet aux utilisateurs, en achetant le soft MPC Software, de pouvoir utiliser le logiciel avec un clavier maître ou avec un pad MPD 232 ou même un pad machine de chez Native Instruments. Bref, il y a toute une liste de surfaces de contrôle qui sont prises en compte avec lesquelles vous allez pouvoir contrôler le soft pour pouvoir composer. C'est devenu une DAW à part entière qui est extrêmement puissante. Donc là, avec cette version 2.11, on a eu deux nouveaux instruments qui sont arrivés, deux nouveaux effets, le système de probabilité et ratcheting, le système MPC Tuner, le système Pad to Key Group et enfin le MIDI Key Split Filtering Performance et Éhancement qui va nous permettre de créer des programmes Key Group vraiment très puissants. Donc on a les instruments qui ont été rajoutés, donc le Hype, le Tube Synth, l'Odyssée, le Solena, le Mellotron, le Bassline, le Drum Synth, l'électrique pour avoir un piano électrique, mais on a aussi des effets comme le Air Flavor, l'Air Amp Simulation, donc qui va nous émuler des émulations d'ampli. Le Air Flavor va être une sorte de RC20 à la sauce MPC, et enfin le Air Granulator va être un effet granulaire. Tout ça a été créé par Air Music Technology. Donc, ce sont des effets de très bonne qualité. Comme tous ceux qu'il y a à l'intérieur du soft MPC Software, ça devient une DAW réellement puissante avec toutes les options. Tout le package est prêt à travailler. Ensuite, le système de probabilité et ratcheting. Les probabilités vont nous permettre tout simplement d'inclure un côté aléatoire à ce que l'on compose, donc suivant le pourcentage que vous allez mettre ici, comme on peut voir en bleu, certaines informations lors de la lecture vont être lues à certains moments et pas à d'autres, donc ça va amener un côté aléatoire à la composition, et le ratcheting va vous permettre très facilement et très rapidement de créer des roulements. On va voir ça dans la petite démo qu'on va faire après sur le soft. En ayant rajouté des émulations d'ampli pour guitare et basse, il était naturel d'avoir le MPC Tuner qui va nous permettre d'accorder nos samples, d'accorder une basse, une guitare à l'intérieur direct du logiciel. Donc c'est encore un plus qui se rajoute. Après, quand on crée un programme Key Group, les trois quarts du temps, enfin tout le temps d'ailleurs, à partir du programme drum, pardon, lorsqu'on crée un programme drum, on va utiliser des one-shot pour faire ce programme drum, et cette fonction, cette nouvelle fonction qu'ils appellent pad to key group, c'est une fonction que je vais vous montrer qui va vous permettre de sélectionner un pad et de transformer le sample qu'il y a sur ce pad directement en programme key group pour pouvoir jouer des mélodies. Donc que ça soit un sample de 808, de violon, tout ce qu'on veut, ça va être en automatique. Vous allez pouvoir le transformer direct en programme Key Group pour jouer des mélodies. Donc c'est encore un plus par rapport à la fonction qu'on a dans le 16 level où on pouvait utiliser l'option tuning pour pouvoir faire des mélodies. Ça pousse la chose encore plus loin. Après,
dans la création de programmes qui groupent, on peut splitter les sonorités sur le clavier. Bref, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées. Le support du Ableton Link 3 pour la synchro avec le soft Ableton. Ils ont amélioré aussi, pour les gens qui ont la MPC hardware, la recherche de plugins. Bref, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Le MPC software au niveau ordinateur est sous-estimé, mais honnêtement, ça reste une DAW qui est hyper compétitive puisqu'elle ne coûte que 200€ et qui est très très complète. Donc en plus de toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver qui sont propres au MPC qu'on retrouve dans le soft, on va avoir aussi les instruments qui vont être ajoutés. C'est-à-dire qu'avec ce soft, là, quand on prend la page Akai de MPC de software, ici, vous allez avoir MPC 2.10 Synth Content à télécharger et à installer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rentré votre numéro de série dans votre e-lock, vous allez sur le site, vous téléchargez MPC 2 Trial pour Mac ou pour PC, vu que le numéro de série aura été intégré au e-lock, il va se débloquer automatiquement, et ensuite vous installez le MPC Content qui va vous permettre d'avoir tous les synthés qui ont été rajoutés en plus, donc pour pouvoir travailler directement. Donc pensez bien à ça, téléchargez le MPC Content 2.10, tout va se mettre à jour automatiquement. Ensuite, en plus du Hype, du Mellotron, Odyssey, Solina, Drum Synth, Bassline, Electric, Tube Synth de Air Music Technology, que l'on peut trouver maintenant au format VST comme au format MPC, ils ont créé une autre suite de VST qui s'appelle Fabric Collection, mais là qui va être payant, où on peut acheter un piano électrique, le Studio String, le OP4, bref, c'est un autre bundle de synthétiseurs que vous allez pouvoir intégrer à votre MPC software pour aller encore plus loin et avoir d'autres instruments. Là, les images ici qu'on a en démo, ce sont les VST données gratuitement, directement, avec MPC Software, donc le Hype Synthétiseur, le Mellotron, le Odyssey, le Solina, le Drum Synth et le Bassline, le Electric, le AirTube Synth, tout ça, c'est donné gratuitement avec MPC Software. Et vous avez la possibilité d'aller acheter après l'OP4, le piano stage, le stage EP, studio string, organe, donc qui va se trouver directement ici sur ce petit site. Donc comme vous voyez, là on a l'image du VST stage piano, la stage EP donc piano électrique, l'orgue, le VST de violon, le OP4, donc là ça va être un synthétiseur FM. Et ça, pareil, qui va s'intégrer parfaitement à MPC Software. Et bien sûr, on va avoir toutes les expansions, comme d'habitude, que l'on peut acheter sur le store de chez Akai et qui vont nous permettre de pouvoir étoffer la banque de sons du logiciel. Donc c'est vraiment un must et un plus. C'est une DAW qu'il faut pas négliger et c'est vraiment, pour moi, un des meilleurs logiciels du marché pour le beatmaking, en sachant que pour 200€, on commence avec de quoi travailler directement et de façon relativement efficace, aussi bien en MIDI que en audio, puisqu'on peut enregistrer des pistes MIDI comme des pistes audio. Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans le logiciel. Donc là, on se retrouve directement sur l'interface de MPC Software et on va refaire un petit tour, histoire de se remémorer un peu comment tout ça travaille. Donc là, vous pouvez aller directement dans Edit. Ici, vous avez Préférences pour pouvoir gérer votre carte son, les entrées et sorties MIDI qui vont vous servir soit pour les pistes, donc pour contrôler les instruments, soit pour contrôler le software en lui-même. Donc là, par exemple, quand on regarde mon IO Station 24C, ma surface de contrôle de chez Presonus, j'ai programmé, je vais vous montrer tout à l'heure avec la partie MIDI Learn, pour pouvoir directement affecter mon Start, Stop,
play, enregistrement de ma surface de contrôle, je les ai affectés à des fonctions de MPC Software, ce qui fait que, en plus de mon MPD 232, mon Neostation 24C me sert à contrôler en MIDI MPC Software. Donc c'est vraiment très puissant. Il y a aussi ma machine micro MK3 qui peut me servir et le reste va me servir tout simplement pour déclencher mes mélodies. Après, au niveau output, j'ai mis le MPD 232 qui lui va servir pour la synchronisation ainsi que l'interface USB qui est reliée à mon deuxième ordinateur. Comme ça, je peux, si j'ai envie par exemple, mettre MPC Software sur mes deux ordinateurs et travailler directement avec MPC Software sur les deux PC, ou alors mettre Reason sur un PC, MPC Software sur l'autre, et pouvoir travailler en synchro MIDI. C'est vraiment hyper pratique, puisqu'on a toutes les options, que ça soit le MIDI Clock, le MMC, bref, c'est assez pratique, mais pour ça, faut bien sélectionner. Vous voyez ici sur ma sortie, j'ai bien mis synchro et track, synchro et track. Comme ça, ça me permet et de pouvoir utiliser le note repeat de mon MPD 32 et de synchroniser un autre ordinateur ou une machine hardware directement au soft MPC. Donc c'est vraiment une DAW complète. Après, vous avez la partie plugin. Là, vous allez lui indiquer les dossiers dans lesquels vous avez vos VST en version 2.4, vous faites un scan et il va chercher tous les VST que vous pouvez utiliser directement avec le soft MPC. En plus, et ça c'est nouveau, ici vous avez In Music Profile, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez votre soft MPC, il vous suffit de vous connecter pour pouvoir activer les instruments que vous allez avoir achetés sur le site Akai ou Air Music Technology. Donc ça, c'est en plus, ça vient d'être rajouté, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vous présentant les instruments, quand on est sur notre piste, donc on va avoir le choix entre choisir un programme drum, un programme key group ou les instruments virtuels. Donc moi, par exemple, par défaut, j'ai le VST The Bank, qui est un ancien VST de chez Akai, qui va me permettre de sortir des sons un peu généralistes. Hein. Je vais avoir un peu de tout, que ce soit des violons, des... Personnellement, c'est un instrument que j'aime bien. Donc, par exemple, si je veux avoir des violons pizzicato, ça sonne très très bien. Et ça fait partie des instruments Akai. Donc après, j'ai The 809, j'ai The Noise, The Verb. Après, chez Air Music Technologique, j'ai Bassline. Donc ça, comme ça fait partie des instruments gratuits qui ont été rajoutés. Mais comme je vais vous montrer, maintenant, ces nouveaux instruments Air Music Technologie les ont rajoutés aussi au format VST traditionnel pour pouvoir les utiliser dans d'autres DAW. Vous voyez ici, j'ai Bassline, ça va être exactement le même VST, sauf qu'il est au format VST, ce qui fait que je peux l'utiliser dans Ableton, dans Reason, dans Studio One, n'importe où. Je vais avoir le Solina, je vais avoir pareil. Et c'est exactement le même instrument que l'on avait, qui a été intégré ici dans les instruments MPC. Vous voyez, MPC Plugin, Air Music Technology. Si je prends le Solina, voilà, c'est exactement le même instrument. La seule différence, c'est que lorsqu'on va sur la partie ici, Programme Edit, ben, on va pas avoir l'interface d'intégrer. Là, quand on est en instrument Akai, l'interface est intégrée avec les Q-Link qui sont directement affectés pour pouvoir travailler directement. Là, si je remets les Q-Link, vous voyez, chaque Q-Link va correspondre à une fonction. Maintenant, si je remets
le Solina version VST 2.4. Voilà, hop. Là, l'interface, elle a changé. On a toujours la possibilité de contrôler les paramètres. C'est exactement le même instrument, sauf que on n'a plus la petite interface qui se met ici en bas. Mais l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ces instruments dans d'autres DAW. Donc ça, vous pouvez aller direct sur le site Air Music Technology et vous allez pouvoir les acheter. Ensuite, en ce qui concerne les tout nouveaux instruments de MPC Software, vous pouvez faire Get Synth Control et vous allez arriver directement sur le store pour pouvoir acheter les nouveaux instruments. Moi, pour l'instant, je les ai pas pris. J'ai uniquement les instruments de Kia de gratuit, mais ça reste hyper puissant. Ensuite, en ce qui concerne les banques de son, donc comme d'habitude, si vous achetez des banques de son Akai, vous allez pouvoir bénéficier des démos, des samples et de tout ce qui va avec. Donc c'est relativement complet. Toutes les options ont été bien retravaillées. Et maintenant, si on se remet dans la logique où on va essayer les améliorations qui ont été apportées, donc déjà au niveau visuel, ici on peut voir qu'en plus de la vélocité, on a la partie probabilité qui a été rajoutée. Et on a la partie hat shape, donc pour pouvoir faire les répétitions de notes encore plus facilement. Donc, bien sûr, ça va fonctionner aussi bien avec les programmes drum que avec les VST. On peut très bien faire du ratchet même sur une note MIDI traditionnelle qui sort un son de synthé. Ça va après, l'effet dépendra de l'attaque de l'instrument. Donc maintenant, si je me mets en programme drum, donc ça c'est la première icône, je vais choisir une banque de son. Admettons, je choisis celle-ci, je double-clique, elle s'installe à l'intérieur de mon soft, et là sur mes pads, directement, j'ai l'intégralité de la banque de son Boom Bap Kit MP Wake Up 87 BPM en A mineur qui s'est installé. Là, je peux changer mon tempo pour coller directement avec celui de la banque de son. Donc, on a dit 87 BPM. Voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir enregistrer ma première séquence. J'ai une boucle de 8 mesures. J'ai juste à lancer mon overdub et je vais pouvoir commencer à enregistrer. Donc là, je vais partir directement pour enregistrer une séquence de hi-hat, overdub. Voilà, j'ai enregistré ma première séquence de hi-hat. Maintenant, ici, hop, si je passe dans la partie, donc on avait les informations de vélocité, normal. Ensuite, on a le petit dé, ici, ça va être les informations de probabilité. Donc, je peux jouer directement sur la probabilité de certains événements, donc, soit je sélectionne tout et je peux légèrement baisser, ce qui fait que ça va jouer un peu aléatoirement après. Voilà. Ensuite, je peux rajouter des roulements. Mais il ne faudra pas oublier une certaine chose. C'est-à-dire qu'en fait, là par exemple, j'ai un hi-hat.
Ici, si je veux que sur ce hi-hat-là, je rajoute un roulement, il va falloir que j'augmente le conteneur. Donc là, je vais l'augmenter. Et regardez, j'ai juste à monter ici. Donc là, ça va me faire 4 répétitions. On peut aller jusqu'à 8. Donc admettons, j'en mets 4. Si je relance la lecture, voilà, ça m'a fait la répétition directe. Si je veux qu'elle soit plus rapide, et ça, vous allez pouvoir le faire que ce soit sur des notes MIDI comme sur des notes de batterie comme on vient de voir là. Donc pareil, si c'est une note d'un instrument, que ce soit un piano ou autre chose, faudra veiller à ce que le conteneur, ce que j'appelle le conteneur, c'est la note MIDI, soit assez longue pour pouvoir contenir directement les répétitions à l'intérieur. Si je vais en remettre une autre ici, j'agrandis, et là, je remets, hop, 8 répétitions. Et maintenant, si je veux rajouter ma snare, je vais faire direct kick et snare, overdub. Et là, pareil, si je veux faire des répétitions de snare, donc admettons, j'en sais rien, je vais prendre cette snare-là, hop, je vais agrandir, je vais me mettre sur ratchet ici, j'agrandis le conteneur, je vais mettre 3 répétitions ou 4, et voilà, et si je refais lecture, voilà. Donc après, je pourrais le mettre sur une autre. Par exemple, ici, je vais en mettre un. Je vais mettre 3 répétitions. Vous voyez, là, si je passe à 4. Et ça va me permettre comme ça de pouvoir créer des rythmes beaucoup plus facilement. Si je veux que ma répétition soit ici, hop. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Pareil pour mes kicks. Là, comme vous voyez, les kicks, les conteneurs sont assez petits, donc je vais en sélectionner un ici, je l'agrandis, je le sélectionne et je rajoute les répétitions. Et dès que ça va passer ici, et voilà, ça m'a permis de faire un rôle de kick très facilement. Et le côté aléatoire ici me permet, sans me prendre la tête, en sachant que j'ai fait ma petite séquence de hi-hat vraiment basique, ça me crée un côté aléatoire au niveau de mes hi-hat, et donc ça donne un groove un peu différent à ma séquence. Ce qui donne un style, et à chaque fois que la boucle recommence, ben ça va ressortir un autre côté aléatoire.
autre petite innovation qui a été faite. Là, je vais appuyer sur mon sample de basse. Donc, c'est vraiment juste un sample qui est en A mineur. D'accord ? Une fois que j'ai sélectionné mon sample de basse, je vais aller dans Tools. Et ici, je vais avoir Current Sample to Key Group. J'ai juste à cliquer là-dessus. Et là, direct, mon sample de basse. A été transformé en instrument, en programme Key Group pour pouvoir jouer de la basse. Donc ça, pareil, c'est une chose qui est relativement pratique. De la même façon, si je retourne sur ma track 1, puisque c'est là où j'avais mes drums, je pourrais très bien rajouter un petit délire comme ceci. Maintenant, je passe sur ma track numéro 2. Je vais enregistrer ma séquence de basse. Donc je fais overdub. Donc là, pour répondre à une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps sur le Discord, je vais vous montrer comment créer un sidechain directement dans MPC Software, puisque c'est un processus un petit peu particulier, simple, mais propre à MPC. Donc là, je vais faire un sidechain donc entre le kick et la basse. Le kick est sur mon programme Key Group, donc là, si je lance la lecture de la track 1, j'ai mon kick ici, d'accord. Ce que je fais, je clique au niveau des effets. Là, je vais aller dans Dynamique, Akai Professionnel, et ici, il y a Mother Docker Input et Mother Docker. Le Mother Docker, c'est ce qui va nous servir à pouvoir créer les sidechains. Donc là, je vais mettre le Input, je le sélectionne. Quand je l'ouvre, il a cette tête-là, donc c'est tout simple. Ça veut dire que c'est une sorte de bus qui a été ouvert et à l'intérieur, j'ai mon kick. Après, je peux très bien déplacer mon effet comme ceci et mettre le Mother Docker en premier et ensuite j'ai le Air Enhancer, le plugins de Air Music Technology qui vient affecter mon kick. Maintenant, le sidechain, je veux le faire avec la basse, donc ce que je fais, je vais sur ma deuxième console, celle qui va me permettre de voir directement les programmes de drum et le programme de basse. Donc là, si je mets en lecture, ça va me donner ça. Là, j'ai mes drums et là, j'ai ma basse. Maintenant, sur la basse, je me mets sur un des slots vides de mes effets, je retourne dans Dynamique, dans Akai,
Et là, je prends le VST Mother Docker. Je le sélectionne. Hop, il se met en place. Par contre, cette fois-ci, il va avoir les attributs d'un compresseur pour justement pouvoir faire le sidechain. Donc une fois que j'ai réglé mon sidechain, qu'on n'entende pas trop l'effet de pompage, bah, je vais pouvoir rajouter mes effets de distorsion si je veux rajouter une distorsion ou tout simplement si j'ai envie de rajouter par exemple le Amp Simulator, le nouvel effet de guitare de Air Music Technology qui a été rajouté au MPC Software. Alors après, on va avoir différents types d'interfaces, normalement, il me semble. Cette voilà, ça va être suivant les presets. Si je coupe l'effet, ou alors je peux très bien rajouter tout simplement un effet de ma collection personnelle. À ce moment-là, je vais dans VST ici et ensuite je vais avoir, en ayant cliqué ici sur Manufacturer, je vais pouvoir choisir un effet parmi mes propres VST d'effets. J'en sais rien, là, je vais aller chez voilà, Plugin Alliance par exemple, et je vais aller prendre. Donc on a dit on voulait hop, de la distorsion. Voilà. Je remets en lecture. Par exemple, ça peut donner un petit exemple de ce qu'il est possible de faire. Donc, ce soft est vraiment hyper puissant. On peut faire énormément de choses avec. Maintenant, si on veut rajouter une troisième piste, je vais ici sur Track, je rajoute une troisième piste. Ensuite, si je veux sélectionner un autre instrument, par exemple, si je veux un plugins, là, il m'a mis le Solina, mais je pourrais très bien prendre autre chose, j'en sais rien. Je vais prendre un instrument de chez Akai The Bank. Voilà. Ici, je vais aller chercher les petits violons que j'aime tant. Là, pareil, quand on se retrouve sur le main mode, on va avoir la possibilité au niveau de l'instrument de pouvoir choisir la gamme dans laquelle on va être. Donc là, mon morceau est parti sur du A mineur.
J'enregistre ça. Et voilà, ma progression d'accord a été faite en natural mineur A avec 3 notes, 1, 3, 5. Tout bête, tout simple. Là, par exemple, au niveau de mes violons, on pourrait très bien tester le air flavor. Donc ça, c'est un des derniers effets qui a été rajouté, qui va me permettre tout simplement d'émuler différents types de speakers. Donc si je fais défiler les donc, téléphones mobiles, platine, haut-parleurs, et ça va me changer le son de mes violons. Je peux rajouter du noise, de la distorsion. Comme vous voyez, là, j'ai fait ça en 2-3 minutes, vite fait. Après, si j'ai envie de rajouter un autre effet VST de ma collection, je pourrais très bien mettre, par exemple, le A1 Trigger Gate de chez Alex Hilton, ce qui va nous donner ceci. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un outil hyper puissant avec lequel on peut travailler vraiment comme on veut. Ensuite, si j'ai envie de garder la même base et créer une séquence 2, rien ne m'empêche d'aller dans Edit. Une fois que je suis dans Edit, je vais dans Séquence et ici je fais Copie séquence. Donc il va me faire copier la séquence 1 directement sur la séquence 2 qui est non utilisée. Ici, je change le nom, je mets séquence 2, do it. Et voilà, maintenant je suis sur ma séquence 2. Et si j'en ai envie, je peux retirer certains éléments. Par exemple, au niveau de la track 1, je vais retourner sur mon piano roll. Ça, si j'ai envie, je peux très bien les enlever. Donc, admettons, je vais enlever, hop, cela. Et après,
après si je repasse sur la séquence 1. C'est un moyen de production hyper rapide, très facile à utiliser puisque ça va fonctionner par séquence. À chaque fois, vous allez créer une séquence de 4, 8 mesures, 32 mesures si vous en avez envie. Vous rajoutez vos notes en fonction des instruments choisis, que ce soit des programmes qui groupent, des VST ou même des instruments MIDI externes, des instruments CV même, vous pouvez vraiment tout utiliser et vous faites votre composition piste par piste, séquence par séquence et ensuite, grâce au mode song, vous allez pouvoir tout simplement ici empiler les séquences pour pouvoir créer votre morceau. Donc ça, je vais revenir sur les bases de tout ça, mais là, je tenais à faire ce petit récapitulatif avec la nouvelle mise à jour, l'ajout des probabilités, du ratchet et le reste, on va le voir un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Je vais recommencer à faire des tutos MPC parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais plus ça va, plus le soft devient puissant. Donc pour moi, c'est une des meilleures DAW du marché pour les beatmakers. Donc j'espère que cette petite présentation des nouveautés de MPC Software 2.11 vous auront plu. Moi honnêtement c'est une DAW que je conseille particulièrement étant fan de MPC. On peut faire énormément de choses avec. On a le workflow d'une vraie MPC. Après pour ceux qui n'ont pas énormément de moyens et qui veulent vraiment avoir une surface de contrôle, je leur conseillerais soit de prendre un MPD 232 ou alors tout simplement la MPC Studio qui est aux alentours de 200€ et ça vous fait un package complet avec le soft, la surface de contrôle et vous avez l'équivalent d'une vraie MPC avec la puissance de votre ordinateur. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut!